Donc, le jeûne, c'est un acte physique qui te permet d'entraîner ton esprit. Donc, quand tu dis que je vais me priver de TikTok ou de Facebook ou de je ne sais pas quoi, de telle heure à telle heure, tu peux avoir quelque chose qui te satisfait énormément, que tu aimes faire, non? Et là, tu te dis, au lieu de dormir de telle heure à telle heure, je vais peut-être lire un bouquin. Je vais peut-être, je ne sais pas, tu peux décider de faire quelque chose d'autre. Là, ça veut dire que tu as décidé d'assujettir ton esprit. Parce que beaucoup de combats se passent dans l'esprit, dans la tête, dans les pensées. Donc, quand tu décides de jeûner ou de te priver de quelque chose, c'est là que, quand les tentations viennent, tu arrives à dire non. Maintenant, l'autre côté de la discipline spirituelle, c'est quoi? L'autre côté est que, quand tu arrives à dire non, quand tu reçois aussi une promesse de Dieu, c'est facile pour toi de tenir mentalement pour arriver et attraper la promesse. Donc, quand on dit qu'on jeûne, ce n'est pas forcément pour dire que oui, j'ai fini à la fin de la journée, j'ai jeûné. Tu es en train d'entraîner ton esprit. Donc, c'est un exercice de l'esprit. C'est un exercice de l'esprit. La zone rouge et le jeûne n'ont rien à voir l'un et l'autre. Donc, tu fais un exercice de ton esprit. Vous n'avez pas remarqué que les films ont toujours... On a conçu les films de telle façon que il y a toujours un moment où tout veut tomber, tout veut s'écrouler. Mais l'acteur principal du film, il tient, il pousse. Après avoir poussé, il remonte la pente de cette vallée et il a une victoire. Donc, le jeûne, c'est pour entraîner ton esprit. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, que vous faites, vous vous disciplinez pour faire le lavage au sel, vous vous disciplinez pour faire certaines choses, le lavage au pipi, ça dépend. Vous allez voir que vous êtes devenu plus expressif. Donc, vous ne tolérez plus n'importe quoi. C'est parce que ton esprit s'est fortifié. Ton esprit s'est fortifié. Donc, tu ne prends plus n'importe quoi, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Donc, j'espère que ça résonne un peu avec votre esprit et que vous comprenez. Donc, c'est pas seulement de dire que je ne mange plus. Ok, comme ta chair, tu as pu faire que ta propre chair. Personne ne voit. Comme personne n'a vu. Parce que dans ta tête, personne n'est dans ta tête. Quand tu reçois les bonnes promesses ou bien tu dis que voilà ce que je veux dans ta prière, est-ce que tu arrives à tenir pour dire que voilà ce que je veux? Je veux atteindre le chiffre d'affaires de 20 000 euros. Après, tu vois comment ça fait, comme si ce sera plutôt que seulement 4 000 euros. Dans ta tête, est-ce que tu vas abandonner? Parce que tout le monde peut abandonner, hein? Même tes employés laissent. J'ai beaucoup d'employés, il y a des jours où mon effectif est réduit de 50%. Ça n'empêche pas que je fasse le travail que je suis censé faire. Donc, est-ce que dans ta tête, quand les circonstances extérieures sont contraires, est-ce que tu cèdes? Donc, le jeûne, ou bien l'effet de se priver de quelque chose, a été conçu, façonné pour entraîner ton esprit. Parce que ton test, ce sera dans la vie. Et si tu vois que tu retombes dans les mêmes choses à chaque fois, quand ton chocolat va venir, il va te raconter encore les belles paroles, les mêmes choses qu'il te racontait là. Est-ce que tu vas succomber? Ou bien est-ce que tu vas dire non? Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous comprenez.